mais qu'il est la vie éternelle. Soyez les bienvenus en ce vendredi saint. Comme l'arbre plonge ses racines dans la terre dont nous sommes faits et lance ses branches vers le ciel, en ce vendredi saint plus qu'en tout autre jour, puissions-nous ressentir combien la croix du Christ nous rejoint ici-bas et nous élève jusqu'au royaume des cieux. Entrons ensemble dans ce temps de célébration en nous déchargeant de nos fardeaux au pied de sa croix et en rendant nos cœurs disponibles à la parole de Dieu. Alors qu'avec le premier chant, nous proclamons sa miséricorde et sa compassion sur nos vies, Mir ist Erbarmung widerfahren, les trois strophes. Vous
3 fois 5. Et ça est bien fait. Seigneur, nous voici devant toi, pauvres et mendiants. Nous voici devant toi, humbles et confiants. Devant toi, la peur est bannie loin de nous, car tu es notre divin Père qui nous pardonne et nous libère. Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Herr erbarme dich.
Seigneur Jésus, tu es pour nous l'incarnation de la parole de Dieu dans notre monde. Nous te sommes reconnaissants de pouvoir t'appeler notre frère. Seigneur Jésus, tu es pour nous la véritable lumière du monde qui nous promet et nous permet un avenir rayonnant de clarté et d'humanité. Garde-nous de toutes les obscurités qui nous menacent. Seigneur Jésus, tu as tenu ta promesse en établissant ta bonne nouvelle par-delà la mort. Que ta bonne nouvelle éclaire notre temps et ton éternité. Alors que nous ouvrons la Bible pour y puiser ta parole, donne-nous, Seigneur, un cœur et un esprit bien disposés. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles.
les versets 16 à 30. La crucifixion de Jésus. Alors Pilate livra Jésus pour qu'on le cloue sur une croix. Les soldats emmenèrent donc Jésus, qui dut porter lui-même sa croix, pour sortir de la ville et aller à un endroit appelé le lieu du crâne. C'est là qu'ils le clouèrent sur la croix, en même temps que deux autres, un de chaque côté de lui. Pilate ordonna aussi de faire un écriteau et de le mettre sur la croix. Il portait cette inscription: Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Les chefs des prêtres juifs dirent à Pilate: tu ne dois pas laisser cette inscription, le roi des Juifs. Mais tu dois mettre: cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate leur répondit: ce que j'ai écrit reste écrit. Quand les soldats eurent mis Jésus en croix, ils prirent ses vêtements et les divisèrent en quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, tissée d'une seule pièce du haut en bas. Les soldats se dirent: ne déchirons pas cette tunique, mais tirons au sort pour savoir à qui elle appartiendra. C'est ainsi que devait se réaliser le passage de l'Écriture qui déclare: ils se sont partagés mes habits et ils ont tiré au sort mon vêtement. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie la femme de Clopas et Marie du village de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère: mère, voici ton fils. Puis il dit au disciple: voici ta mère. Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, pour que l'Écriture soit accomplie, Jésus, sachant que déjà tout était achevé, dit: j'ai soif. Les soldats trempèrent une éponge dans du vinaigre, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent de la bouche de Jésus. Jésus prit le vinaigre, puis il dit: tout est accompli. Alors Jésus baissa la tête et mourut. Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'obsédier au Christ. L'humanité telle qu'elle est, et son véritable potentiel.
l'humanité telle qu'elle peut ou devrait être. Et vous serez sans doute d'accord avec moi, les deux ne sont pas équivalents. Telle qu'elle est, telle qu'elle devrait, telle qu'elle pourrait, c'est pas la même chose. Alors effectivement, c'est pas agréable à entendre, ça nous blesse dans notre orgueil, on n'aime pas ça, c'est quand même la vérité. Profitons d'être fraternellement réunis pour nous confronter à cette réalité douloureuse, ensemble, ouvrir, nous ouvrir aussi à l'espérance merveilleuse qui fait suite à cette prise de conscience. Faisons-le je vois qu'il y a des jeunes, vous avez encore de l'acné? Vous n'en avez jamais eu? Super, bravo, très bien. Pour tous les autres gens normaux qui ont eu de l'acné, qui en ont encore parfois, faisons-le comme on perce un bouton. C'est pas agréable, c'est même un peu dégueu, mais si vous voulez que ça guérisse, il faut, on n'a pas le choix, il faut percer. Commençons par le premier personnage de cette histoire. Souvenez-vous, c'est... Oula, je crois qu'on va relire. Non, allez, je vous donne, c'est Pilate. Le tout premier dont il est question, c'est Pilate. C'est quasiment le premier mot, je ne suis plus très sûr. On va voir ça. Non, le premier c'est alors, le deuxième c'est Pilate. Alors Pilate fit quelque chose. Que fit-il? Pilate livre Jésus aux Juifs pour qu'il soit crucifié. Voilà ce qu'il fait, voilà ce qui lui arrive dans cette histoire que nous venons d'entendre. Alors si on avait lu juste quelques versets avant le passage, ce passage-là, on aurait pourtant entendu Pilate affirmer à plusieurs reprises que Jésus est innocent, qu'il ne voit aucun tort en lui et qu'il n'y a pour lui aucune raison de mettre à mort ce Jésus qui est innocent. Et pourtant, Pilate le fait quand même torturer. Mais il est innocent. Torturons-le quand même. Et pourtant, devant l'insistance de la foule, Pilate le fait quand même crucifier. Ben, il est innocent. Ben, les gens insistent. Crucifions-le. Mais faites-le vous. Alors là, j'ai simplement envie de saluer l'homme de conviction. J'ai envie de saluer l'intégrité, la conscience professionnelle et aussi l'autorité dont fait preuve Pilate. Je suis debout, j'ai envie de l'applaudir, je ne vais pas le faire. Quel chef, quel homme. Alors si on en était resté là avec Pilate, voilà, on se serait dit tout simplement que Pilate, bah, c'est un très bon politicien, opportuniste, sans scrupules, qui n'a qu'un seul souci, rester à sa place ou monter, mais surtout pas descendre. Malheureusement pour nous, surtout pour lui, Pilate réapparaît quelques versets plus loin, avec un écriteau qui ne fait pas l'unanimité. Les chefs religieux lui reprochent d'avoir écrit « le roi des Juifs » sur l'écriteau qu'il y a ici. Alors ils lui disent, mais tu as écrit ça, mais c'est pas le roi des Juifs. C'est lui qui a dit qu'il était. Nous, on n'en veut pas de lui comme le roi des Juifs. Et on t'a même dit clairement, souviens-toi, que pour nous, je ne sais pas ce qu'il en est pour toi, Pilate, mais pour nous, le seul roi légitime, le seul qu'on sert comme roi, c'est César. Alors fais-nous plaisir, continue à nous faire plaisir, change cette écriture. Mais qu'il a dit lui-même qu'il était le roi des Juifs, mais c'est pas vrai. Étonnamment, en tout cas pour moi, peut-être que ça vous a aussi étonné, c'est à ce moment-là que Pilate choisit de faire preuve d'autorité. Enfin, il fait ce pour quoi sa fonction était faite. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. C'est qui le boss dans l'histoire? C'est moi le boss. Alors, circuler, il n'y a rien à voir. Je trouve ça parfaitement incohérent. Vous aussi, non? Pilate est hyper ferme pour cet écriteau. Et vous voyez même sur l'ensemble de la croix, franchement, c'est rikiki,
c'est une broutille. Et il y est ou il n'y est pas, sur plein de crucifix, il n'y est pas. Qu'il y soit ou qu'il n'y soit pas, ben, l'innocent est quand même crucifié. Vous pouvez l'enlever, ça ne change rien à ça. Pilate est hyper ferme pour cette broutille, et tellement faible, tellement lâche, tellement conciliant lorsqu'il s'agit de faire respecter la justice et le droit. J'ai fini de parler de Pilate, arrive la question du jour. Qui s'en souvient? On va relire tout le culte du début. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Je suis sûr que ça vous rappelle quelqu'un, mais vous n'osez pas dire qui. Vous avez peur de vous croiser avec quelqu'un. Non? Alors je vous donne ma réponse, mais nous, chacun d'entre nous, et si ça ne vous rappelle pas, vous-même, on va expliquer un peu pourquoi. Nous aussi, nous savons être fermes lorsque c'est facile de l'être. Lorsqu'il n'y a pas d'enjeu, lorsque ça n'est pas vital, lorsque notre place n'est pas en jeu. Ou lorsqu'au contraire, ça va nous apporter quelque chose de positif, une promotion peut-être. Mais lorsque la fermeté a un prix, lorsqu'elle nous coûte plus qu'elle nous rapporte, et bien comme Pilate, nous préférons souvent le compromis, quitte à nous compromettre, au risque de ne pas être fidèle aux valeurs sur lesquelles nous disons pourtant fonder notre vie, au risque de renier et de recrucifier celui qui est notre roi, pas César, Jésus. On pourrait donner plein d'exemples, j'en ai juste deux, trois. Pierre a dit par trois fois, mais je ne connais pas cet homme, et je ne fais pas partie de ses amis, non. D'autres ont dit, mon voisin cache des juifs. D'autres ont dit, mon voisin est juif. D'autres ont dit, mais qu'ils aillent débarquer ailleurs avec leur rafio que sur nos côtes, on ne peut quand même pas accueillir toute la misère du monde. D'autres ont dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais surtout, viens pas me voir parce que moi j'ai autre chose à faire que de m'occuper de toi. Ça, c'était le premier personnage. Bon. On peut passer au suivant. Les chefs religieux juifs. Et là, ce sera un tout petit peu plus rapide parce que eux, leurs actes, clairement, s'ils paraissent cohérents, on sent très bien qu'ils ne le sont pas. S'ils demandent à faire changer les rideaux, ce n'est pas parce que c'est une incohérence historique, c'est simplement pour qu'on ne leur mette pas ce crime sur le dos. Non, c'est lui, c'est pas de notre faute. Il avait qu'à pas dire qu'il était le roi, alors que ce n'est pas vrai, il n'est pas pour nous en tout cas. Si ce qui lui arrive, c'est qu'il l'a bien cherché, il n'a que ce qu'il mérite. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Si vous cherchez encore une autre réponse que vous-même, laissez tomber, ne cherchez pas. C'est nous, chacun d'entre nous, nous qui sommes capables de trouver une bonne raison aux pires atrocités que subissent les autres. Parce qu'ils l'ont sans doute quand même bien mérité. Il n'y a pas de fumée sans feu. Et puis, ils avaient qu'à pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. Est-ce que moi j'y suis? Non. Et puis, de toute façon, tant pis pour eux. Nous qui sommes capables de justifier toutes les horreurs quand elles ne nous touchent pas directement. Viens juste à l'esprit, un truc qu'on est peut-être en train d'oublier, je ne suis pas sûr, le virus. Tant que ça courait loin de nous, mais c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais pour toutes les familles qui ont été touchées personnellement dans la maladie, qui ont subi cette maladie, ou qui ont eu dans leur entourage des décès, et bien là, la réalité prend tout à fait un autre visage. Nous en arrivons aux soldats. Là, encore une fois, ça saute aux yeux. Ce sont des vautours, ce sont des charognards. Non seulement ils exécutent un innocent, là on peut dire qu'ils ont juste fait leur travail, d'accord, mais en plus ils le dépouillent sous ses yeux alors qu'il est en pleine agonie.
Il n'attend pas que son corps soit froid. Pendant qu'il est approché, en train d'agoniser, eh bien, il se... Et ça, c'est pas du tout leur boulot. Ils se partagent ce qui était à lui, le peu qui était à lui. Et là, on peut clairement dire que la misère des uns fait le bonheur des autres. Question, est-ce que ça, ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Oui, nous, chacun d'entre nous, nous qui sommes capables de faire exploser les liens familiaux pour un héritage. Ne dites pas le contraire, nous savons tous que ça arrive tout le temps dans les plus belles familles. Souvent, le corps du défunt n'est pas froid encore, que déjà les héritiers se déchirent pour une maison, pour quelques centaines ou milliers d'euros. Et même si c'était des millions d'euros, est-ce que ce ne sont pas quelques broutilles, quelques miettes, quelques misères que personne n'emmène avec lui dans l'au-delà? On peut se battre pendant qu'on est vivant, mais après, ça reste quand même là que les autres se battent. Après tout ça, nous qui sommes capables de nous faire la guerre contre voisins pour 20, 30 ou 50 cm de terrain, ou parce que ce chien très péniblement aboie et aboie et aboie encore, nous qui sommes capables de trancher une gorge, là je regarde tous les jeunes parce que c'est vous les jeunes qui êtes plutôt tentés de faire ça, dans le tram à Strasbourg, quelqu'un vous regarde de travers, hop, vous sortez le couteau, tchac. Pourquoi vous croyez que vous n'avez pas tout dans la poche, les parents savent. Nous qui sommes capables de fonder notre bien sur l'exploitation de la misère des pauvres de pays loin d'ici. Si tout le reste ne vous a pas parlé, vous n'êtes pas concerné par les couteaux qui sortent des poches. Nous tous, nous sommes concernés dans nos pays riches par notre opulence qui est fondée sur la misère d'autres dans d'autres pays. Ils sont loin, on ne les voit pas, on ne sait pas qu'ils existent. Et pourtant, c'est vrai. On en arrive aux quatre femmes et aux disciples que Jésus aime. Là aussi, ce sera rapide. Rapide parce qu'il n'y a qu'une seule chose à dire. C'est l'amère impuissance de ces femmes qui ne peuvent littéralement rien faire pour empêcher l'horreur. Elles sont totalement démunies. Le seul truc qu'elles peuvent faire, et elles le font, ça déjà c'est formidable, elles sont là, les autres sont pas là, tous les autres qui auraient pu, celui qui dans le jardin a sorti l'épée pour couper une oreille à gauche à droite, il est où? Disparu. Alors est-ce que ça, ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Nous, chacun d'entre nous, nous qui même lorsque nous sommes cohérents avec nous-mêmes, même lorsque nos actes et nos paroles sont en accord avec nos convictions, et que nous donnons le meilleur de nous-mêmes, nous restons souvent impuissants, effondrés et éplorés devant les drames qui touchent nos vies, nos familles, nos amis, le monde. On a beau faire preuve de bonne volonté, on a beau faire des efforts pour maintenir le lien entre tous les membres de notre famille, ben parfois ça ne marche pas. On a beau essayer de consommer mieux pour produire moins de déchets et sauver la planète, et bien parfois ça ne marche pas, etc., etc. On a quand même l'impression, et là je ne parle plus du virus, que ça va de plus en plus mal. Alors là, il est temps, grand temps, d'enfin entrer dans la bonne nouvelle et d'en arriver à Jésus. Parce que c'est lui le dernier personnage de cette histoire. Et quand on aborde lui, tout ce que nous venons de dire prend un nouvel éclairage. Le sacrifice de Jésus met l'histoire des autres personnages et donc notre histoire à chacun personnellement sous une perspective nouvelle. Oui, nous sommes aussi tout ça, mais arrive la bonne nouvelle. Là où ils ont été incohérents, inconséquents, là où nous le sommes, nous aussi, Jésus fait preuve d'une cohérence divine et nous rachète une conduite. Là où nous accusons les autres et leur faisons porter injustement le chapeau, lui, l'innocent condamné, il porte sa croix qui résume toutes les nôtres. Là où nous recherchons les honneurs, quitte à tordre un petit peu la vérité,
quitte à écraser un petit peu nos concurrents, lui l'innocent torturé et crucifié entre deux brigands, pour nous préparer une place de choix dans son royaume. Là où nous pensons d'abord à nous et aux éléments matériels de nos vies, lui l'innocent crucifié laisse faire ce qui le dépouille. Lui, il confie sa mère et le disciple qu'il aimait l'un à l'autre. Nous libérons ainsi de la soumission au bien matériel et nous confiant à l'amour fraternel. Aimez-vous les uns les autres, voici le commandement nouveau qu'il nous a donné. Là où nous sommes prêts à rendre père et mère pour sauver notre peau, lui, l'innocent crucifié, il boit le calice jusqu'à la vie, pour que nous n'ayons plus jamais rien d'autre à boire que le vin de la fête. Là où nous sommes incapables d'accomplir la destinée que Dieu a prévue pour nous, lui, l'innocent crucifié, il lui remet son esprit et accomplit la destinée de l'humanité restaurée. Là où nous pensons être trop éloignés de Dieu, lui, l'innocent crucifié, dans l'abandon de sa vie, il nous offre la vie renouvelée. Jésus a fait ce qu'il faut pour que jamais plus nous ne soyons séparés de lui et de son amour. Que sa résurrection soit la source de notre vie chaque jour et pour toujours. C'est là son cadeau de part pour chacun d'entre nous. Amen.
nous, pour nous, tu es mort sur cette croix. Nous l'avons entendu, mais il nous est difficile de saisir la profondeur de ce don d'amour. Toutefois, ensemble, nous t'appelons à l'aide, oui, des profondeurs de notre vie et de nos difficultés, nous en appelons à toi. Donne-nous, Seigneur, compréhension et compassion pour ceux que ta mort effraie, pour ceux qui ont peur de leur propre mort, pour ceux qui redoutent la mort de ceux qui leur sont chers. Donne-nous la parole et le geste qui réconforte ceux qui désespèrent devant la souffrance et la misère qui ne cesse pas. Seigneur, nous t'appelons à l'aide. Oui, des profondeurs de notre vie et de nos difficultés, nous en appelons à toi. Donne-nous, Seigneur, ta paix, celle qui impose la fraternité à tous les peuples, la paix qui rend muette toutes les âmes, ta paix qui ranime tous les vivants et tous les morts, ta paix qui apaise les angoissés, qui console les attristés, qui accueille les abandonnés. Seigneur, nous t'appelons à l'aide. Oui, des profondeurs de notre vie et de nos difficultés, nous en appelons à toi. Donne-nous, Seigneur, ta justice pour tous les persécutés, ceux qui sont accusés ou tués à tort. Donne-nous d'avoir compassion de tous les condamnés, innocents ou fautifs. Donne-nous la miséricorde fraternelle pour ces frères et sœurs qui partagent notre monde. Seigneur, nous t'appelons à l'aide. Oui, des profondeurs de notre vie et de nos difficultés, nous en appelons à toi. Donne-nous, Seigneur, ton espérance pour tous ceux qui trébuchent dans l'obscurité, pour tous ceux qui luttent pour l'unité de leur famille, pour tous ceux qui luttent pour la cohésion de la société et du monde, pour tous ceux qui, sur qui reposent de lourdes responsabilités. Seigneur, nous t'appelons à l'aide, oui, des profondeurs de notre vie et de nos difficultés, nous en appelons à toi. Avec la certitude que nos prières ne sont pas vaines, nous unissons nos cœurs et nos voix pour faire monter à toi les paroles que tu nous as toi-même enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissons pas entrer dans notre passion, mais guéris-nous. Thank you.
Nous nous levons. Pour être envoyés et bénis dans cette journée et dans nos vies, avec ces paroles tirées de la seconde lettre de Paul aux Corinthiens. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque ce que nous vivons est difficile, insupportable, injuste, lorsque nos yeux ne peuvent plus autre chose que verser des larmes, lorsque face aux difficultés nous risquons de perdre tout espoir, proclamons que Dieu a déjà tout accompli et qu'en Jésus, par le don de sa vie, arraché le clou de la croix, il fait de nous des êtres renouvelés pour vivre dans son amour pour toute éternité. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ son Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Et soyez bénis, vous êtes bénis.